something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de faire. J'y ai pensé un petit. Ça fait un petit moment que j'y pensais. Il me semble pas l'avoir vu quelque part. Mais aujourd'hui, je vous retrouve pour ma vidéo regret. Qu'est-ce que je regrette d'avoir acheté au niveau du colo? Parce que bah, au final, je ne l'utilise pas. Ou soit, c'est vraiment merdique. Enfin, on va voir ça ensemble. Et bah, comme vous vous doutez, il y a pas mal de produits Action, hein, quand même. Parce que quand on commence dans le colo, on a une grosse euphorie achat. On achète. Peut tout et n'importe quoi, on a envie de tester plein de choses et au final, bah, soit on l'utilise pas parce qu'on sait pas vraiment l'utiliser, soit bah, c'est pas du produit de super qualité et voilà, les résultats sont pas ouf. Soit on sait vraiment pas utiliser le produit quoi. Donc voilà. Donc il y a plusieurs. Ouais, j'ai pas mal de produits Action quand même. Je pense pas, je vais vous montrer que le Action d'un côté. Enfin, on va en mélanger un petit peu. Donc. Qu'est-ce que j'ai acheté à Action et que je n'utilise pas? Le gesso, par exemple. J'ai essayé une fois et j'aime pas du tout colorier sur du gesso. Donc il faudrait que je l'utilise, mais pour utiliser de l'aquarelle après, ou voilà. Mais bon, pour l'instant, j'ai mon. Voilà, j'ai mon pot qui dort, quoi, en fait. Voilà, je l'ai juste utilisé une fois et depuis. Yet nada. Donc voilà, je suis. Voilà. Donc il dort. Il est très fatigué ce pot. Qu'est-ce que j'ai acheté et que je regrette, c'est le drawing gum parce que j'ai tendance à beaucoup le secouer, à le laisser ouvert et du coup bah il est tout voilà. Vu qu'il a pris l'air à l'intérieur, il durcit, voilà, donc c'est impossible à utiliser. C'est voilà, déjà que ça pue de base. Donc voilà, je n'achèterai plus de pot. Par contre, je me suis pris le petit stylo. Voilà, et pour l'instant j'ai pas eu de soucis pour l'utiliser. Bah, je nettoie ma mine à chaque fois. Là, voilà. Quand je vais le réutiliser, j'enlèverai la mine et je mettrai celle-ci. Bah, voilà, je change de mine à chaque fois. Mais c'est lavable, c'est du plastique. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de soucis avec le stylo. Sinon après, bah, je passerai sur du schmink, je pense, si vraiment je suis embêtée. Mais voilà, celui-ci, voilà, j'ai même pas utilisé la moitié, mais ça avait tendance à sécher, donc voilà. Je vous déconseille d'acheter le pot plus crayon ou passer peut-être sur du schmink si vous avez tendance à utiliser beaucoup de drawing gum. Mais ouais, déçu, voilà, compliqué à étaler, enfin j'utilisais les petits pinceaux de chez Action, mais voilà, ça vous flingue votre pinceau, hein. On va pas se le cacher, j'ai voulu essayer avec les petits pinceaux hop là, comme ceci là, que j'ai acheté sur Ali je crois. Donc c'est des petits pinceaux en silicone, je me suis dit ça devrait être bien et finalement bah j'ai pas encore trouvé trop la technique, donc là je réessaye avec des dotting tools. Voilà. Pour le drawing gum. Ensuite, les artistros. Voilà. C'est une tanasse à utiliser. Ils sont pas numérotés, machin, donc j'ai voulu le faire, mais bon, ça tient pas forcément bien. Il faut secouer pendant des heures et des heures et des heures. Du coup, bah si vous êtes victime de tendinite, voilà. C'est un peu compliqué. Mais ouais, je vous les conseille pas forcément. Et bête comme je suis, je les ai offert à Taz. Et du coup, bah, elle va se faire une tendinite à ma faute. Mais ouais, je suis pas. Voilà. Je suis pas convaincue. Je préfère les Posca, mais voilà, niveau budget, c'est pas la même. Hein. Donc si vous avez une alternative aux artistros qui voilà, qui valent le coup financièrement, mais bon. Et qui fonctionne bien sans avoir enfin, que ce soit pas que de la flotte à l'intérieur. Allez, un petit produit Action. Des pastels à l'huile métalliques. Voilà, de Action. Je ne les ai jamais utilisés. Voilà.
J'ai les Paul Rubens que j'ai du mal à utiliser aussi en même temps, mais celles-ci, je les trouve dures. Voilà. Elles sont dures, elles sont pas crémeuses pour un sou, donc voilà, je sais pas trop. Je pense que ça va faire blindage de traces, donc je sais pas. Bon, appliquer sur ma palette avant et peut-être diluer un peu avec de l'essence sans odeur, je sais pas. Mais bon, voilà. Et après, prélever le pigment, je sais pas. Mais bon, voilà, je regrette de les avoir prises. Parce que je les utilise pas. Ensuite, j'ai pas mal de petits tubes de peinture acrylique comme ceci. Voilà. Que j'avais dû trouver dans un. Dans quoi? Où c'est que j'ai pu trouver ça? Dans un Oz ou un. Enfin, ça devait être peut-être à Lidl ou je sais pas, quand il y a des packs, des fois, ils font. J'en ai plusieurs à effet, hein, effet aluminium. Ça, c'est quoi? De la pâte structurante. Pourquoi? Ouais, ça devait être dans l'eau parce que ça, je vois pas du tout ce que je pourrais faire avec ça. Voilà, de la peinture pailletée. Vous avez de la satinée or, de la cristal, celle-là, j'en ai plus d'autres. Non. Mais bon, voilà, c'est pas opaque pour un sou. C'est. Voilà. Donc ça va partir parce que je ne les utilise pas. Hein, et ça fait très longtemps que je les ai. Mais voilà, c'est vraiment. Vous voyez même pas la caméra, quoi, les paillettes, les nacres. Vous voyez rien du tout. Mais c'est vraiment pas terrible. Donc ça va partir à, voilà, à la benne parce que voilà, je ne voilà, j'arrive pas à les utiliser, c'est trop transparent. Voilà. Les Mixcolor marqueurs d'action. Voilà, j'en ai encore d'autres, hein. J'avais pris toutes les teintes. Mais voilà, c'est du marqueur à alcool, donc forcément ça traverse. Et bah, voilà. Moi, dans mes livres de colo, ça m'arrange pas. Parce que j'aime pas les livres de colo avec le papier Amazon, donc j'en ai très peu et je vais pas colorier avec ça dedans. Donc voilà, je les utilise un peu sur mon bullet, mais voilà, ça transperce et c'est compliqué. Donc je pense que ça va finir pour mes enfants. Voilà. Parce que oui, non, je ne les utilise pas. Ensuite, bah, à action encore, j'avais pris les petits trucs d'encre là. C'était fourni avec je sais plus trop quoi. Je sais plus. Mais bon, j'avais pris ça. Je me suis juste servi de celle-ci Halloween dernier. Voilà, pour faire du sang. Ça transperce dans les livres de colo. Voilà. Donc voilà, je ne les ai pas réutilisés depuis. Faudrait que je les utilise avec ma plume. Mais voilà. Je sais pas trop si ça tourne ou pas, ça, en fait. J'ai l'impression que le rouge est plus épais que les autres. Mais celui-là, il m'a l'air vachement. Je sais pas. Enfin bon, bref, celui-ci était juste de la nacre. Mais non, je les utilise. Oh! Voilà. Ça dort dans les tiroirs. Qu'est-ce qui dort dans les tiroirs? Mon Dieu, le pire. Voilà, j'ai ouvert mon tiroir pour les sortir ce matin. Les fameuses glitter alcohol ink. Voilà, j'avais acheté toute la gamme, je crois, à moins qu'il me manquait peut-être le noir et l'argenté, je sais même pas. Mais bon. Vous voyez les bouchons? Ils ont moisi. Tout a moisi. Et ils se sont vidés tout seuls. Voilà, ça s'évapore avec le temps. Celui-ci, il est quasiment vide. Il n'y a quasiment plus rien dans le flacon. Il me reste ça. Voilà. Il me reste ça dans le flacon. Voilà. J'ai voulu essayer de les utiliser. Ça transperce. Une fois sec. Les paillettes, ça se gratte, elles s'enlèvent toutes seules. Enfin, je vois pas trop, je sais pas les utiliser, hein, clairement. Mais ouais, celui-là, il y a quasiment plus de. Celui-là, il est vide. Il n'y a quasiment plus de liquide à l'intérieur. Voilà, il va me rester que les paillettes. Donc, je sais pas. Et ouais, tous les bouchons moisissent. Donc, génial.
Après, si vous en avez et que voilà, vous voulez les jeter, mais gardez-en peut-être un pour garder les pipettes et pour activer vos aquarelles. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon. Mon ancien sérum d'Aromazone. J'ai mis de l'eau dedans et puis je m'en sers pour hydrater mes aquarelles. Mais non, ouais, là, ça. Sinon, ça c'était joli, hein, plein de paillettes et tout, mais bon, pour les utiliser, bah, je sais pas. Mais ouais, ça. Regardez-moi ça. C'était joli. Celui-là, il est beau. Mais voilà. Les paillettes ne tiennent pas et. Je sais pas. Je n'ai pas trop compris l'usage. Glitter ink, ouais, bah ouais, mais tu peux pas utiliser ça avec ta plume ou quoi que ce soit, les paillettes elles restent pas, enfin c'est. Donc ouais, ça c'est un gros fail. Donc ouais, ça part à la poubelle. Je vais me nettoyer les mains, je suis désolée. Mais. Ensuite, oh, chez Faber-Castell, je me suis acheté la Perfection, la gomme Perfection. Et comment vous dire, c'est de la merde. Ça ne gomme pas, ça fait des traces. Je comprends pas ce truc. Je ne comprends pas. J'essaye de gommer avec ça, mais non, c'est pas. J'ai plus arraché mon papier qu'autre chose, hein. Donc non, je vous déconseille. Autre chose que j'ai acheté à Action, on est beaucoup à les acheter, c'est les glitter glue. Voilà, quand on commence, on ne veut pas s'acheter des stickles parce qu'on trouve ça cher. Mais enfin, moi, j'en suis pas satisfaite de celles-ci, je les trouve pas assez pailletées. Voilà, ça met une blinde de temps à sécher. Et non, je trouve pas que l'effet soit ouf. Donc je pense que c'est pareil, ça, je les donnerai à mes enfants. Mais bon, quand ils sauront bien utiliser des choses, parce que là, ça risque de d'étaler plus qu'autre chose. Mais c'est dommage, il y a plus de colle que de paillettes. Donc c'est pas très opaque. Mais bon. Si jamais vous avez vous-même des paillettes libres. Rajouter des paillettes libres dedans. Ça peut peut-être mieux faire le job. Là, vous voyez, il est vachement liquide. Mais je préfère des stickles. Voilà. Donc, non, j'en rachèterai pas. Là, j'étais tentée par les gros chunks. Là, il y avait des gros pots avec des gros chunks et tout. Mais non, je me dis, c'est pas la peine. Ça va dormir dans les placards. Mais ouais, je trouve que j'ai l'impression qu'elle tourne. Vous voyez comment le. C'est fort liquide. Tu vas me faire le zoom, s'il te plaît? C'est fort liquide, ça. Je sais pas. J'ai l'impression que, ouais. Et celle-là, au contraire, elle est vachement épaisse. Donc, je sais pas. Franchement. Je suis pas dingue, dingue, dingue de ça. Et les Pearl Glue. J'en ai quelques-unes aussi, du coup, vu que c'était en lot, hein, de toute façon. Il manque le vert. Je sais pas où il est passé. Je l'ai utilisé. C'est peut-être celui que j'utilise le plus, mais je sais pas où il doit être. Avec mes stickers, peut-être. Ben, je sais. Ce que j'en ai fait. Je ne sais pas où il est passé, mais j'ai un verre normalement de. Ah, il est là. Voilà. Celui-ci, je l'avais utilisé avec ma licorne dans un Kirby. Et ouais, ça s'est tout aplati. Enfin, voilà. Je trouve pas que ça vieillisse bien. Donc, bah, j'en rachèterai pas. Voilà, je vais utiliser celle que j'ai quand j'ai vraiment besoin de dot ou de machin, mais je trouve pas que ce soit oufissime. Voilà. Je suis en train de commencer à m'étaler là.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va continuer dans les produits action. Les Sparkle Markers. Voilà, c'est tout jeté dessus. On a toutes galéré à les activer. Il y en a certains qui ne fonctionnaient pas du tout. Il y en a certains qui ne faisaient que couler. N'est-ce pas? Attendez. Est-ce que j'ose en ouvrir un? Je les ai pas ouverts depuis que je les ai achetés. Oh mon dieu. Ils doivent être tout secs. Non? Ah non. Mais oui, non, je les ai pas réutilisés. On ne va plus avoir des masses de paillettes de toute façon. Putain, j'ai peur. Ça a l'air d'aller. Mais non, je les utilise pas. Voilà. Je pensais les utiliser dans mon bujot et tout. Puis là, j'ai même plus le temps de faire de bujot. C'est... Donc non, je les utilise pas. Dites-moi vous si vous les utilisez au final, vos Sparkle Markers, et vous voyez tous ces faces. Heureusement qu'on a la petite pastille pour savoir la couleur, mais non, je les utilise pas, donc je regrette de les avoir achetés, parce que ça dort. Comme les Liquid Watercolor Brush Markers, ceux-là non plus, je les utilise pas. Je devrais utiliser... Oh, pff, non, bah... En même temps, il était la tête en haut, je pense. Mais non, je les utilise pas. Et le brush marker, est-ce que c'est vraiment un brush marker? Je veux dire, si vous voulez faire une calligraphie, c'est mort. C'est pas du vrai brush. Hein. Donc, non. Ça, les utiliser peut-être aquareller. Mais bon, je préfère utiliser mes aquamarkers dans ce cas-là. Ça aussi, je les avais achetés, les paint markers. Il y a Posca d'action, hein. Mais voilà, la mine, elle est super grosse. Voilà, donc bah, je les utilise pas. La mine est très très grosse, donc ouais. Faudrait que je les utilise pour des fonds ou... Je sais pas. Faut que je leur trouve une utilité pour vraiment les sortir. Mais ouais, non, la mine est beaucoup trop grosse. Il s'active mieux que les artistes roux. Il nous faudrait ce qu'il y a là-dedans. Dans le artiste. Non, bah non, on shake, shake, shake. C'est pas la peine. Mais si je peux pas changer la mine, mettre une plus petite mine, ça va pas être possible. Hein. Mais ouais, c'est. Autre achat. Voilà. Je m'étais pris les Obos sur AliExpress. 200 crayons. Avec une trousse pas très pratique. Qui fait beaucoup de bruit le soir quand mes enfants sont couchés et qui ne maintiennent pas les crayons. Voilà. Donc, et c'est des crayons. Ben voilà. C'est des crayons qui fondent. Encore un. Ça ne tient pas les crayons. Quel crayon j'ai utilisé là-dedans. Mais voilà, je fais mes mystères avec. Voilà. Parce que... Je préfère mes Brut Funner quand même au boss. Franchement. Ouais. Parce que celui-là, je passe mon temps à les tailler. Et moi, ça me saoule. Celui-là, il a fondu. Je sais pas si... Ah bah, vous voyez rien du tout, c'est tout floux. Alors... Canon, là. Regardez celui-là, comment il a fondu. Donc, non, je passe mon temps à les tailler. Et c'est quoi que j'ai fait dernièrement? Je me plaignais, c'était un gris. J'ai fait quoi, un colo avec Mini ou je sais pas quoi? J'ai passé mon temps à le tailler, le gris. Je sais plus lequel c'est. Pourtant, quand on voit pas qu'ils sont plus petits, enfin, j'ai pas l'impression. C'est lequel? Si, c'est celui-là. Oui. Enfin bon, bref, je ne suis pas satisfaite. Mais ouais, je m'en sers voilà, vraiment uniquement pour mes mystères. Parce que oui, je trouve que je passe mon temps à les
taillée. Et c'est voilà, celui-là aussi, la fondue. Vous voyez la différence? Tant je m'en sers très peu. Hein. J'ai pas fait tant de mystère que ça là dernièrement. Celui-là aussi, la fondue. L'hiver, je l'ai pas utilisé. Mais ouais, non. Je m'en sers vraiment ouais, que pour les mystères. J'ai pas envie de les utiliser dans d'autres livres. Je vais vous montrer le nuancier quand même, mais bon, moi je... Je regrette. J'aurais dû m'acheter les Brutfühner 520, je crois que c'est ça. Bon, après, niveau place, c'est... Mais ouais, je vous les conseille pas. Je trouve que ouais, ça fond. Et ils sont pas aussi pigmentés que les Brutfühner, je trouve. Donc ouais, pour mes mystères, si je trouve pas dans mes hobos, je prends dans mes bruts. Brut square ou 180. Voilà. Mais non, je suis... Et c'est trousse. Mon Dieu, c'est trousse. Donc non, je vais voir peut-être pour me racheter une trousse. Quelqu'un était intéressé par celle-ci, je sais plus qui. Si jamais tu passes par là, redis-moi. Et quand j'aurai acquis une nouvelle trousse pour ranger ceci, pourquoi pas t'envoyer celle-là. Parce que non, peut-être pour des feutres, oui, elle serait plus utile pour des feutres. Parce que oui, c'est plus large que les crayons de couleur, mais là, les crayons de couleur, ils tiennent vraiment pas dedans, c'est relou. Ensuite, autre regret, oui, non, mais voilà, c'est le Ouzou. Où je le sors que très peu, j'avoue, finalement. J'utilise plus Google ou Insta ou Pinterest. Il va vraiment me servir si vraiment je connais pas le qui est le personnage et dans quel Disney il est. Si vraiment, mais bon, là, faut que je cherche vraiment dans... Voilà. Mais pour avoir les teintes, je trouve pas que forcément que ce soit le mieux, je trouve. Mais bon. Ça reste voilà, le Ouzou. Mais bon, il est jamais à jour, hein, vu qu'ils en sortent tout le temps en même temps. C'est un peu relou, ça. Mais ouais. Je m'en sers pas plus que ça, finalement. Donc pour moi, c'est pas un indispensable. Maintenant, on arrive très bien à trouver via Insta, via... Google. La dernière, bah là, je suis sur un vitro et voilà, j'utilise Google Images. Voilà, j'ai même pas été voir là-dedans le personnage que je suis en train de faire. Ah bah. Et ça n'aurait pas été parce que bah le personnage n'est pas dans la bonne tenue en plus. Voilà. Donc. Voilà, voilou. Et en dernier, encore un achat action où j'ai acheté toutes les teintes et que je n'utilise pas. Oh. Je me suis acheté les All Surface Paint Marker. Il y a deux glitters et deux métalliques dans le pack. Voilà, donc j'ai pris les roses, j'ai pris les verts, les gris, les bleus, les violets et les dorés. Dorés jaunes, hein. Voilà. J'ai pris toutes les teintes, mais je ne les utilise pas. Parce que ça transperce. Voilà. Et c'est chiant parce que, comme d'habitude, vous n'avez pas de numéro, de nom sur le crayon. Donc moi, j'ai dû tout rajouter voilà, au Sharpie. Mais je sais même pas si ça va tenir dans le temps. Je pense pas. Et enfin, voilà, je l'ai utilisé, si j'en ai utilisé un, ça devait être un vert, je pense, sur un marque-page. Donc je pense qu'ils vont me servir pour mes marque-pages, pour faire les ajouts métalliques ou
pailletée sur mes marque-pages parce que bah, c'est épais, donc si pis ça traverse, je m'en fous. Mais voilà, parce que bah, oui, ça traverse. Donc dans mes livres de colo, je ne peux point. Donc ça va me servir voilà, pour les touches de paillettes de, ou de métal dans, sur mes marque-pages. Voilà. Pareil, bah, va peut-être falloir que je leur trouve une trousse parce que c'est pas très pratique d'avoir toujours les emballages comme ça. Hein, on est d'accord? Va falloir que. Bah, les pots, j'en ai une tonne, j'ai des pots, mais ils sont tous remplis. Je m'étais fait des tasses pour mes colos en cours, pour mettre mes combos, machin, et finalement mes tasses sont remplies par d'autres choses. Hein. Donc, non. Ça va pas. Mais oui, il va falloir que je me trouve une trousse pour les mettre. Parce que là, oui, ça prend de la place dans mon tiroir pour rien et c'est pas pratique. Voilà. Mais voilà, ça va être utilisé pour mes marque-pages parce que je vois pas dans quoi je pourrais les utiliser autrement. Parce que c'est long à sécher et c'est surtout que ça transperce. Ça coule bien aussi, il faut faire attention. Donc, ouais. Je suis assez mitigée. Hein. Donc voilà, vous voyez un peu mes regrets colo. Je pense que j'en ai peut-être oublié, je sais pas trop. J'ai acheté dernièrement les... J'aime bien jouer avec. Les sprays à l'acrylique, là... Je l'ai utilisé sur une... J'ai fait l'empreinte de ma fille sur enfin, les trucs qu'ils vendent aussi à Action, là. Vous savez, là, je sais pas, les trucs à empreinte, là. J'ai fait ça et j'ai pchité 2-3 couleurs girly dessus pour parce que c'était blanc, donc ça faisait... Enfin voilà, j'ai voulu rajouter un peu de couleur, donc j'avais dans l'idée de mettre ça. Et du coup, bah, j'ai pris toutes les teintes aussi. Et je me suis dit que ça dans mes en fond, dans un mais pas sur les cahiers de colo, parce que vous avez forcément le dessin qui est juste devant, ou sinon il faudrait protéger et puis pchiter. Enfin, c'est... Il faut que je trouve encore comment faire. Ou sinon, faire un colo où je le découpe, des colos imprimés via Google ou je sais pas. Découper le contour et les remettre, enfin faire un sur une autre feuille un fond avec les sprays, machin, et recoller mon colo dessus, je sais pas trop. Enfin bon, bref. Est-ce qu'un jour j'aurai le temps où j'y penserai ou pour le faire, je sais pas. Mais bon, voilà un peu pour les achats regrets au niveau du colo. Dites-moi en commentaire si vous, vous en avez et lesquels sont-ils. Et voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao !